Waouh, je crois que je suis arrivée. Tous mes rêves sont sur le point de se réaliser. Ça roule. Je veux dire, bienvenue. Merci de me recevoir. J'espère vraiment que vous pourrez m'aider. Je suis un génie, voyons. Je gère. Waouh, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas ce que je veux. Désolée. Je veux quelque chose qui a encore plus de valeur. Il y a toujours des clients mécontents. Tu veux quelque chose de plus chic que ça? Attends voir. De l'or? Alors là, waouh, c'est impressionnant. Mais c'est toujours pas ce que je veux. Tu n'es pas facile à contenter. Cette fois, c'est la bonne. Tu as vu ça? Waouh! Waouh, qu'est-ce qu'il se passe? Ton rêve va bientôt se réaliser. Coucou, Olivia! Pensez-moi, je rêve? Pas du tout. Voici ta nouvelle famille. Je suis tellement contente. C'est vrai que ça a l'air chouette. Je peux avoir la même chose. Quelle journée! Le magasin de bonbons était génial. Je n'ai plus besoin de ces baskets. Il est temps de s'amuser. Wouh! C'est génial! Je pourrais faire ça toute la journée. J'ai mangé des tonnes de sucre. Rien ne peut m'arrêter. Je commence à avoir la tête qui tourne, mais j'adore ça. Oh, oh! Madame, vous êtes en chaussettes? Dans cette maison, on porte des chaussons. Non, je les aime pas. Permettez-moi d'insister. Vous avez qu'à m'attraper. À plus! Madame, veuillez cesser ces enfantillages. Nananère, vous êtes trop lent. C'était marrant. Bon, d'accord, allez-y. Enfin! Burk! Un problème? Quelle odeur! C'est abominable! Oh! Quoi? Je les ai lavés la semaine dernière. Ça sent pas si mauvais que ça, si? Je vais les sentir vite fait. Ok, ça pue. Mais je peux toujours m'en servir pour faire autre chose. J'étale la chaussette, puis j'attache un morceau de ficelle au niveau du talon. Je serre bien. Il ne faut pas que le nœud se défasse. Maintenant, je vais découper le bas de la chaussette. Je vais m'en servir pour faire une blague au majordome plus tard. Ensuite, je roule légèrement la chaussette vers l'extérieur. Ça devrait aller. Je mets du riz à l'intérieur. Je la remplis presque entièrement. Ensuite, je remonte la chaussette et je la ferme avec un autre bout de ficelle. Je ne veux pas que le riz verse. C'est parfait. J'attache un autre morceau de ficelle au milieu. Je prends une autre chaussette pour faire le bonnet. Et j'ajoute deux grands yeux. Une perle pour le nez. Ce bonhomme de neige a l'air d'avoir froid. Je vais lui mettre une écharpe. Comme ça, ça sera mieux. Hé, debout! Hé, oh! J'ai la tête embrouillée. C'est à cause de ces chaussettes. Je vous ai fait quelque chose. J'espère que ça vous plaît. Waouh, regardez-moi ça. C'est plutôt mignon, hein? Il est adorable. Je vais en prendre soin. J'en ai un, moi aussi. Oh, ils sont copains. Merci, Olivia. Attendez, c'est quoi cette odeur? Burk, brûlez-moi ces chaussettes! C'est important d'avoir les dents blanches. J'adore la menthe. Votre œuf, madame. Ramassez ce matin même. Burk, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Oh, vous n'aimez pas? Ma chérie, tout va bien? Faites quelque chose. C'est juste un œuf. Je vais reprendre mon fil dentaire. À table? Dégueu. Mais enfin, ça me donne une idée. Je prends du fil dentaire et je fais un nœud avec. Mais avant de le resserrer, je glisse un cure-dent dans la bouche. Ensuite, je serre, je plante le cure-dent dans l'œuf. Et je le coupe en zigzag avec le fil. Je sépare doucement les deux moitiés. Regardez ça! Je suis sûre que vous trouverez cela plus appétissant. Oh, c'est joli! J'ai envie de goûter! Miam, c'est bon! J'en suis ravie, chérie. Maintenant, plus un bruit, maman fait du shopping en ligne. Miam, de la sauce au chocolat. Il ne me manque que des guimauves. Miam, c'est trop bon. Non, mais vous avez vu ça? C'est mon petit déjeuner préféré. Hé, c'est à moi. Faites-moi confiance. Prenez un grand plat, disposez des crackers au fond, puis versez de la sauce au chocolat par-dessus. Ensuite, ajoutez des guimauves et à nouveau de la sauce au chocolat. Il n'y en a jamais trop de toute façon. Enfin, recouvrez le tout de crackers. Mettez-les au frais pendant 10 minutes. Voilà, c'est prêt. À présent, trempez-les dans de la pâte à crêpes. Recouvrez-les entièrement. Et faites-les frire. Attention, l'huile est chaude. Une fois que c'est doré, retirez-les de l'huile. Votre plat suivant est prêt, madame. Sucré, croustillant et fondant. Waouh, absolument tout ce que j'aime. Je vais goûter ça. Miam, c'est délicieux.
Je vais en goûter un aussi. Tant pis pour mon régime. Ça en vaut la peine. Je pourrais toujours faire une lipo. Je connais un bon médecin. Il y en a un pour moi aussi, bien sûr. Ils sont parfaits. Carrément. Regardez ça. Vous devriez en faire plus souvent. Mes compliments au chef. C'est agréable de passer du temps ensemble. Je préférerais manger un burger. Waouh, regarde ça! Maman, regarde toutes les bulles. C'est magique! Moi aussi, j'en ai envie. Je vais en faire moi-même. Maman! Qu'est-ce que tu fais? Oh, mes vêtements sont trempés! Je vais aller me sécher. Je voulais juste te faire sourire. Attendez! J'ai une idée! Je vais avoir besoin de plus de paille. Je vais couper les pailles en petits morceaux. Je mets un peu de colle sur le côté. Puis j'y colle une autre paille. Et je continue. Je veux que ça fasse comme une ruche. Je fais la même chose dans d'autres coloris et je les place en forme d'étoile. Je colle les branches les unes aux autres. Puis j'y attache une longue paille. Waouh, c'est magnifique! Mais il me manque les bulles. Heureusement, je sais où en trouver. Je trempe ma paille dans le seau et je veille à immerger toutes les alvéoles. C'est le moment de faire des bulles. Waouh, regardez ça. Hein? D'où viennent toutes ces bulles? Maman, il y a des bulles dans mon verre. De quel genre d'établissement s'agit-il? Waouh, j'adore les bulles. Oh chérie, quel bel accueil. C'est vraiment très beau. Je pourrais passer ma journée à les éclater. Ça me rajeunit. Encore, fais-en encore, c'est super. Oups, ils ont pas l'air contents. C'est rien, mon poussin. J'ai peut-être fait une bêtise. Continue, ma chérie. Non, maman, attends. Elle sort pas très souvent. Je me suis peut-être emportée. Je vais me rasseoir. C'est tellement embarrassant. Ne mets pas tes coudes sur la table, chérie. Il faut que je fasse mon sac pour les vacances. J'ai tellement de choses à prendre, mais j'ai besoin de tout. Je referme. Je vais utiliser la bonne vieille méthode. Elle a fait ses preuves. D'habitude, ça marche. Allez! Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce désordre. Oh, ma chérie, tout va bien? Laisse-moi t'aider. J'ai fait de mon mieux, maman. Je sais, chérie. Ça ne rentrera pas dans la valise, mais j'ai la solution. D'abord, je mets les chaussettes dans les chaussures, puis j'ajoute d'autres petites choses. Ça permet de gagner beaucoup d'espace. Je mets mes baskets dans la valise. Et dans l'autre paire, je vais ranger des feutres. Comme ça, chaque chose est à sa place. Ensuite, les vêtements! Aucun problème. Pose-les par terre. Ah bon? D'accord. Maintenant qu'ils sont pliés, on va avoir besoin d'un sachet zip. Je mets les vêtements dans le sachet. Et je prends l'aspirateur. Ça va faire toute la différence. Je place l'embout dans le sachet. Et j'aspire l'air. J'étiquette le sachet. Et hop, dans la valise. Te voilà avec une tenue par jour. Voilà, tes valises sont prêtes. Waouh, maman, t'es une vraie championne de la valise. Je crois qu'on est prête à partir. Attends, j'ai oublié quelque chose. Je ne peux pas partir sans mon nounours. Il faut qu'on l'emmène. Il va nous falloir une valise plus grande. Ou alors, on pourrait essayer quelque chose. Et voilà, un joli petit sac. Allons-y, il ne faut pas rater l'avion. J'ai quelque chose pour toi, chérie. Waouh, qu'est-ce qu'elles brillent! Je les adore! Merci, maman! Elles sont superbes! J'ai hâte de les essayer! Elles sont super confortables! Qu'est-ce que t'en dis? Tu es splendide! Je me sens grande! Maintenant, il faut que j'arrive à marcher avec. Oula, c'est pas facile. Olivia, attention! Oups, pardon, maman. C'était un accident. Mon jean, il est fichu. Je suis désolée. C'est pas grave, j'en achèterai un autre. Il faut que je me change. Voilà, c'est mieux. Waouh, comment t'as fait ça? Je te montrerai plus tard. Waouh, impressionnant. Salut, ça va? Oh, regardez sa robe. Ça me donne une idée. Je dois rester discrète. Il ne faut pas qu'elle me voie. Je vais lui modifier un peu sa jupe. Je suis sûre que ça ne la gênera pas. Je vais couper ici. Mais je dois faire vite. Santé!
Et voilà, il est temps de se mettre au travail. Ce deal est bon pour la poubelle, mais une fois que j'en aurai fini, il sera comme neuf. Je commence par couper le long de la couture, je remonte le long de la jambe et je retire une partie du jean. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je le retourne. J'utiliserai du papier de verre pour effilocher les bords. Ça lui donnera un petit côté rock'n'roll. Maintenant, je mets de la colle en travers de la cuisse. Je prends le tulle et je le colle par-dessus. Je fais des plis et j'appuie dessus. Et voilà, un jean tout neuf! Maman, maman! Regarde, j'ai fait ça pour toi! Waouh! Qu'est-ce que c'est chic! J'en suis assez fière! Maman, tu es magnifique! Oh, comme tu es mignonne! Je crois que c'est mon nouveau jean préféré! Tu veux bien refaire ma garde-robe? Apparemment, tu as l'œil pour la mode! Merci, ma chérie! Voici donc le salon de beauté de maman. Elle ne doit pas savoir que je suis venue ici! Regardez tous ces parfums! Ça sent les fleurs! Oh, waouh! C'est une boîte à bijoux? Et si je l'ouvrais? Waouh! Tout ce qu'il y a! C'est trop beau! Je vais les essayer! Ça rentre pas! Oh! C'est pas bon, ça! Qu'est-ce que je vais faire? Je crois qu'il est temps que je m'en aille! Et vite! Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, du soda! C'est pile ce dont j'avais besoin! Je vais me maquiller un peu! Parfait! Tiens, quelqu'un m'appelle! Salut, comment ça va? Je te rappelle plus tard! Oh non! Je tombe! Ouïe, ça fait mal! Maman ne va vraiment pas être contente! Mais je dois pouvoir arranger ça! Admirez un peu! Je tends un morceau de fil, puis avec mon pistolet à colle, je vais faire des zigzags! Je fais des petites perles de chaque côté du fil et maintenant je change de couleur. Et cette fois, je remplis les espaces. Ça va être super! Avant que la colle sèche, je vais le parsemer de paillettes. Ce ne sont pas des bijoux si ça ne brille pas. Ça devrait suffire. Je crois que j'ai fini. C'est encore plus joli que les perles de maman. Je vais le mettre dans la boîte à bijoux. Hé, coucou chérie! J'ai besoin d'un collier. On y est! Waouh, tu l'as fabriqué pour moi? Surprise! Je préfère les perles, mais tu n'as qu'à le mettre, toi. Oh, merci, maman! Je vais le mettre tout de suite! Qu'est-ce que je vais mettre? Majordome, venez par ici! Je l'ai reçu aujourd'hui. Waouh, il est magnifique! Je sais, j'ai des goûts de luxe. Ne le casse pas, celui-ci. Je ne te promets rien! Votre bouteille d'eau? Arrêtez tout de suite! Quoi? Mademoiselle Julie ne boit que de l'eau gazeuse. Oui, monsieur. Oh, vous me connaissez tellement bien. À la vôtre, mademoiselle. Que c'est rafraîchissant. Votre menu? Donnez-moi ça. Oh! Tenez, mademoiselle. Vous avez largement le choix. Quelque chose qui vous ferait envie pour ce soir? Vous avez des questions? Des questions? Oui. Alors, des questions? Vous avez choisi? Je vais tout prendre. Tenez. Apportez tout. Et que ça saute. Tout de suite, monsieur. Votre dîner, mademoiselle. Je pose l'assiette? Très bien. Oh, très bien. Et voilà. Pizza aux pierres précieuses. C'est très beau, mais est-ce que c'est bon? Je vais vous le dire. Oui, mademoiselle. Recrachez. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Enlevez ça tout de suite. Tout de suite, monsieur. Ensuite, la bouchée de sushi. Posez l'assiette. Bon appétit. C'est la spécialité de notre chef. Ça m'a l'air mangeable. C'est lui qui donne le plus envie. Oh, l'odeur est infâme. Non, merci. Enlevez ça de sa table, tout de suite. Oui, monsieur. Ah, je suis sûre que vous allez apprécier celui-là. Bon appétit. Bon, et voilà le dessert, visiblement. J'espère que ces raisins vont être assez sucrés. Je valide. Le raisin lui convient. Incroyable, elle en a mangé un. Je n'ai plus faim. Je retourne à la voiture. Très bien. Mademoiselle?
Elle est passée où? Ça ne vous concerne pas. Je vais payer pour elle. Ça devrait suffire. Bonne soirée. Oui, c'est très bien. Merci. Waouh, c'est pas vrai. On dirait une sorte de dressing. C'est fantastique. Regardez l'éclairage et les canapés. Oh, ce miroir géant est très chic, dis donc. De quoi j'ai l'air? Ah! C'est quoi ce truc? On dirait une sorte d'hologramme. Salut! Je suis censée appuyer sur les boutons, j'imagine. C'est bien ça? Waouh! Quand j'appuie les boutons, je change de tenue. Non, ça, c'est vraiment pas mon style. Qu'est-ce que... Maintenant, je porte un costume de monstre? C'est pas Halloween! C'est une blague! Je veux pas être habillée comme mon nouveau papa! Il doit bien y avoir une option convenable. Oh! J'aime beaucoup mieux ça! J'ai même les ongles faits! Ah! À partir de maintenant, rien ni personne ne pourra m'arrêter, ça c'est sûr! Oui! Bon, va falloir que je m'entraîne à marcher avec des talons. Mais ça va le faire, je vais y arriver. Parce que je suis riche. Oh, ce magasin est trop top! Tout est magnifique ici! Oh, c'est super doux! Qu'est-ce qu'elle brille? Ces cristaux! J'adore ça! Oh, j'ai toujours voulu avoir des chandeliers! Et le cadre de ce miroir est super joli! Oh, un dinosaure Pop-It! Je n'en avais encore jamais vu! J'adore! Elle a raison, c'est très doux! Bonjour! Je vais prendre ceci. Voyons voir, j'ai quoi comme liquide? Je crois que ça devrait suffire, non? Oui, merci beaucoup! N'oublie pas les cristaux. Et ceci. Et l'or, bien sûr. C'est vrai que ce miroir est joli. Et les chandeliers, bien sûr. Bonjour, voici le reste de ces achats. Pfiou, ça fait beaucoup. Laissez-moi ouvrir ça. Voilà, je crois que ça devrait suffire. Attendez voir. Vous lui avez plu aussi, il me semble, non? Coucou! Regarde ce que j'ai acheté! Oh, un Pop-It! Je suis heureuse pour toi! Bonjour madame, j'espère que votre conversation téléphonique s'est bien terminée! Voici le manteau de fourrure que vous vouliez! Oh waouh! J'avais oublié à quel point il était doux! Hein? Oh, quel beau miroir! C'est le miroir du magasin? Et voici vos autres achats! Quoi? Mais je n'ai pas acheté tout ça! C'est le lecteur de cartes de crédit? Non! C'est le vendeur du magasin! Asseyez-vous là, juste au milieu! Je ne sais pas trop ce que je fais ici. Ça a l'air d'être un bon endroit ici. Je ne veux pas salir mes chaussures. C'est mieux là. C'est parti pour dépenser de l'argent. Vous allez bien? Vous n'avez pas trop chaud? Hé, c'est à moi de faire ça. Les garçons, il y a assez à faire pour vous deux. Je préfère ça. Par ici, madame. J'espère que le tapis est assez moelleux. Arrête de parler et enroule. Les garçons, vous gâchez l'ambiance. Je vous en prie. Oh, c'est lourd. Merci. Le soda avec le plus de bulles que j'ai trouvé, madame. Excellent. Attention, j'ai... Ah, ça fait du bien. J'ai envie de faire les magasins maintenant. Nul. Burke. Pas mal. Je vais la prendre. Je vous en prie. Merci bien. Qu'est-ce que c'est amusant de dépenser? Allez, je n'ai pas toute la journée. Oula, c'est lourd. Ça a intérêt à être bien. Les anniversaires de riches doivent être incroyables. Je parie que je vais avoir des tonnes et des tonnes d'argent.
tellement d'argent que je ne saurais pas quoi en faire. Une seconde. Je suis sûre qu'il y a encore mieux que ça. Et si, à la place de l'argent, je recevais plein de bijoux? De l'or et de vraies perles! Je crois que j'ai une idée qui surpasse toutes les autres. Des tas de sacs de nouveaux vêtements. Des plus grandes marques, des plus grands couturiers. Non, je sais pas trop. Je vais attendre de voir. Oui, il arrive! J'ai quelque chose de très spécial pour ma fille dont c'est l'anniversaire. Tada! D'accord, voyons voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Oh, tiens, une petite carte. Il y a une photo d'un avion dessus. Je comprends pas, c'est quoi? C'est pas juste un morceau de papier? Un morceau de papier? Tu ne saisis pas. Suis-moi, je vais te montrer. Voilà ton cadeau. Comme tu peux le voir, c'est pas juste un morceau de papier. Mais non, j'y crois pas. Un véritable avion doré? C'est pas vrai? Regardez comme il est grand et comme il brille, je l'adore! Ces feux d'artifice sont sympas. Oh, attends, c'était trop bien. Je vais essayer quelque chose. Je vais poser ça sur la table et poser mon verre par-dessus. Incroyable! Ils sont trop beaux comme ça. C'est comme si j'étais aux premières loges. Oh, celui-là était mon préféré. Ah! Oula, tu m'as fait peur. Pardon, mais viens avec moi. Bon, tu es prête pour le vrai feu d'artifice? Oui, on est prête. On attend. Oh! Incroyable! C'est tout? Je croyais qu'il y en aurait plus. Oh, attends une petite seconde. Je vais régler ça. Oui, mettez-nous tous, s'il vous plaît. Tu es prête? Ils arrivent. Wouh! C'est le plus beau feu d'artifice de toute ma vie. Et tu es la meilleure mère adoptive du monde. Tu es mignonne. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'est beau, une colombe, non? Oui, c'est vraiment beau. Oh! Oh! Elle tombait dessus! Ah! Je suis recouverte de crottes d'oiseaux! Waouh! Regarde ces chaussures! C'est incroyable ici, n'est-ce pas? Par où commencer? Ce chapeau est sympa! Il ne va bien? Non, absolument pas! Oh, j'ai trouvé qu'il me donnait un air mystérieux! Allez, faisons un peu de shopping! Celles-ci me plaisent! Ah bon? Prends ça. C'est splendide. Il me le faut. Oh, et j'adore ce truc. Je le prends. Je ne peux plus rien porter, là. J'ai besoin de bottes. Non. Elles sont toutes de la saison passée. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas mal. Je prends. Allez, on n'a pas terminé. Cette boutique est quand même très chère. Autant pour un sac? Waouh! Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore la couleur. Ça sort d'où, ça? Il faut qu'on parle. C'est un plaisir de vous revoir. Ce sera tout? Non, je prends tout ce que vous avez. Tout? Oh, allons bon! Très bien. Je vous fais un paquet? Je ne pourrai jamais tout porter. C'est super lourd! Merci. Wow! Ça a l'air lourd. Laisse-moi t'aider. Merci bien. Waouh! Il y a plein de jolies choses. Qu'est-ce que je vais prendre? Il faut faire un choix. Je vais prendre ces chaussures. Et cette robe. Et ce diadème. Parfait. Ce sera tout. Je suis comment? Ça ne me ressemble pas. Et ça? Non. On peut essayer ça. Je déteste. Attendez! C'est quoi ça? Je préfère ça! J'ai une idée! Oh! Attendez! Vous auriez pu demander! Je veux cette chemise! Hé! Je ne vous dérange pas? Il faut que je cache ça! La honte!
c'est mignon. Je vais la prendre. Mais, c'est gênant. On est déjà le matin? Mais oui, ma belle chambre luxueuse. Autant que j'entame ma journée. Hein? Des chaussons? Qui êtes-vous? Oh, une femme de chambre! Ouais, pas de problème. Ça doit être sympa d'avoir du personnel. C'est l'heure de vous brosser les dents. L'hygiène buccale est extrêmement importante. Ouais, d'accord. Mais je veux me brosser les dents toute seule. Excellente technique, mademoiselle. Voilà un verre d'eau. Oh, merci. Je vais juste cracher et me rincer la bouche. Je déteste qu'il me reste du dentifrice après m'être brossé les dents. Il faut bien que j'enlève tout. Oh, vous avez fait mon lit? Dites donc, vous êtes super rapide. Attendez, le dentifrice. Non, je l'ai bu sans faire exprès. Dégoûtant. Je prendrai bien un petit déjeuner. Oh! Tenez, mademoiselle, asseyez-vous. Avec des couverts, c'est mieux. Et voilà, votre bon petit déjeuner équilibré. Mais waouh, ça a l'air super bon. Je vais attaquer tout de suite. Madame, je vous en prie, asseyez-vous. Voilà vos couverts. Et votre repas, bien sûr. Merci, ces tomates cerises ont l'air exquises. Oh là là, toute cette nourriture, c'est trop bon. Oh, il a déjà fait la vaisselle. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je vous nettoie le visage, mademoiselle. Oh, dis donc, merci. C'est bon, ce colis est prêt à être envoyé. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous venez de jeter mon colis fragile. Mais non, une colombe l'a attrapé. Incroyable. Je vais essayer quelque chose. Oiseau, attrape ce vase fragile. Oh non, c'est cassé. Eh, ne vous inquiétez pas, j'en achèterai juste un nouveau. 24. 25. Oui, continue. 26. 27. Prêt à être impressionné? Elle tire et elle marque. C'est ça de s'entraîner à un niveau professionnel. Je l'ai. Phew, j'ai réussi. Oh, c'est Alex. Salut, ça va? Oh, dis-moi tout. Je vais rester là. Oh, ouais, toujours là. Trop lourd. Oh. Et moi, j'étais en mode. Bien sûr que je vais sortir avec toi. Je ne peux plus tenir. Oh, à plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est bon. Posez-le par terre. Oh, d'accord. À demain. D'accord. Tout va bien. D'habitude, j'ai un styliste pour ma coiffure. J'espère qu'ils ont des burgers. Ne sois pas idiote. Allez-y. Parfait. Merci. Je suis splendide. C'est gentil, merci. J'ai trop soif. Il faut que je boive. Attends. C'est qui ce type? Elle doit être de la température idéale. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez y aller. Eh bien, à part ça, rien d'anormal. Merci. Ça a l'air bon. Encore? Laissez-moi goûter. C'est vraiment son métier? Le croquant est parfait. Allez, fiche le camp maintenant. Je me demande si je peux toucher mon nez avec ma langue. Le chef a encore fait des merveilles. Oh, j'adore ce plat. Je veux dire, j'adore vous rendre service. J'ai le palais délicat. C'est délicieux. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez. Profitons de ce repas. C'est sympa d'être juste toutes les deux. Le gars bizarre est juste derrière toi. Je vous ai dit de partir. Il est vraiment pénible. Bien joué. On devrait faire ça plus souvent. Il y suit presque. Mais... Chut! Oh, Phil! Rappelle-moi de le virer, celui-là. Je n'y manquerai pas. Tiens, tu peux prendre ça. C'est le
plus beaux gestes qu'on ait fait pour moi. C'est trop mignon. Hé! Prends ça. Oh, voleur! C'est trop stressant. Je dois me calmer. Oh, ça va mieux. Et après? Ah! J'ai gagné! Encore une fois. Salut chérie, tu vas bien? Salut papa, ça va? C'est bien ma fille. Du papier et un stylo? Pas de ça ici. Voilà pour toi. Oh, un autre casque de réalité virtuelle? Trop bien! Oh, regardez là, les enfants grandissent si vite. Je vais voir comment se porte la bourse. Ouh! Prends ça et ça! Ah, je l'ai eu! Elle s'amuse bien. Attention! C'était moins une. Tu es où? Reviens là. Non! Arrête! Ne fais pas ça! C'est un chef-d'œuvre. Il date du 17e siècle. Mouah. Arrête, s'il te plaît. Je l'ai! C'était incroyable! Super réaliste! Je ne te lâcherai plus jamais! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Je crois que je me suis un peu laissée emporter! Mais tu t'es bien amusée! Du chocolat! Je garde ça! Ou peut-être pas! Il me faut de nouveaux vêtements! Où est la grande poubelle? Ah ah! Ce truc est pire que mon pull. Oh, chérie? Ce t-shirt est tout sale. Reviens là. Je vais t'emmener faire les magasins, d'accord? Je t'ai eu. On arrête de traîner autour des poubelles, d'accord? Je peux t'acheter ce dont tu as besoin. Oui, allô? Il nous faut de nouveaux vêtements, tout de suite. Non, c'est urgent. Dis donc! J'espère que ça va suffire. Ça a l'air d'être à ta taille. Ça, c'est un sourire que j'aime. Je vais attendre. Incroyable! On dirait une petite princesse. Elle n'est pas trop mignonne? Tant qu'il y a des poches. Oui, c'est mon anniversaire. J'espère que mon vœu va s'exaucer. Je peux tout exaucer. Voici tes cadeaux. Waouh! Mais tu n'étais pas obligée. Attends. Gouvernante, montrez-lui. Regarde, on t'a fait faire une poupée personnalisée grandeur nature. Juste pour toi. Oh mon Dieu! Waouh! Merci beaucoup. Oh, regarde, elle marche. Fais un mouvement et regarde. Oh, elle bouge en même temps que moi. Je suis heureuse que ta poupée te plaise. Waouh, c'est trop génial. Elle fait tout comme moi. J'adore vraiment. Essayons de danser. Oh, oh, non, j'y suis allée un peu fort. Oh, je crois que je l'ai cassée. Oh, gouvernante, la poupée devient hors de contrôle. Seigneur, je suis désolée. Je vais la sortir d'ici. Ça va, la gouvernante l'a sortie. Comme ta poupée est cassée, si tu choisissais un yacht à la place? Je ne sais pas. Regarde, il y en a de toutes sortes. Non, regarde bien, tu peux choisir celui que tu veux. Ce n'est pas vraiment mon truc. Oh, j'ai trouvé! Regarde là-bas, c'est exactement ce que je veux. Yeah! J'adore mon flamant rose! Vous êtes sûre de ne pas plutôt vouloir un yacht, mademoiselle? Merci, tu es la meilleure! Choisis ce que tu veux. C'est trop bien. Ah, elle est toute heureuse. Ouh, je veux ça. Si tu y tiens vraiment, d'accord. Et ça aussi. J'ai vu mieux. Mais on va les prendre. Mettez-les dans un sac. Et ça. Et l'or, bien sûr. Je crois que c'est bon, papa. Je peux avoir la licorne aussi? Mais elle n'est pas chère. Mais si tu la veux vraiment, d'accord. Trop bien!
un peu de couleur. Parfait, c'est ma plus belle œuvre. Dis donc, c'est un beau tableau. Tenez. Ça a l'air si réaliste. J'ai presque fini. Pardon. Vous ne voyez pas que je suis en plein processus créatif, là? Ma petite fille aime ce que vous faites. J'aimerais vous embaucher. Évidemment, je paye bien. J'écoute. Vous êtes super douée. J'adore cette musique. Jeune musicienne. Vous voulez que je... Quoi? Oh mon Dieu! Une petite surprise pour ma chérie d'amour. C'est vrai? Bienvenue chez vous! Je peindrai pour vous tous les jours. Et je vous jouerai des mélodies dès que vous voudrez. C'est incroyable! Pfiou! Je ne vous paye pas pour rester debout à rien faire. Faites quelque chose. C'est parti! Quelle chambre! Elle est beaucoup plus belle que ma décharge. C'est du vrai or! Je n'en ai jamais vu! Cette maison est énorme! Oh, regarde ça! Ça doit être de l'art. Oh, incroyable! Une souris! Un animal rien que pour moi! Elle me fait penser à la souris de ma décharge. Tiens, petit bonhomme! Hé, partage un peu! Ça chatouille! Qu'est-ce qu'on s'amuse? Tu veux sortir de la cage? Allez, ne sois pas timide. Salut! T'es trop mignonne! Tu as faim? Goûte ces graines. Tiens. Non, tu n'en veux pas? Bon, ça fait plus pour moi. Pas mal? Vraiment pas mauvais, en fait. Bonjour, chérie. Tu t'installes bien? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Je vais vomir! De la nourriture! Tout de suite! Donnez-moi ça! Hé! Où sont passées les graines? Merci! Je préfère ça! Oh, comment j'ai pu faire ça? Il y a quelqu'un? C'est sûrement rien. Si, j'entends quelque chose! Ça ne peut pas être le Père Noël? Si? Pas de panique! Discrètement, comme un ninja. Dou 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 di di di. C'est qui ça? Et pourquoi il chante aussi mal? Il faut que je fasse quelque chose. Réfléchis, frappe vite et fort, sans pitié. C'est ce que j'ai appris. Oh là là là! Oh! Ah! Oui! Ah! Ne me faites pas mal! Quelle belle soirée! Oui! Oula! Maman, papa! Un vieil homme bizarre s'est introduit dans la maison, mais je l'ai attrapé! Ne vous inquiétez pas, je vais bien! Je suis un peu votre héros! À l'aide! Je vais faire un malaise! Chérie, je l'ai raté! Est-ce que je devrais prendre l'argent ou l'or? Je ferais mieux de prendre les deux au cas où. Pourquoi tu dois y aller, papa? Oh, je vais vite revenir, chérie. Et je t'apporterai un cadeau. Oh, la clé du coffre, il ne faut pas que je la perde. Chérie, j'aimerais que tu surveilles la clé du coffre pour moi. Oh, dis donc, tu es sûr? Tu peux me faire confiance, papa? Allô? Quoi? Quelqu'un a griffé le jet? Ah, d'accord, j'arrive. Je dois y aller. Salut, chérie. Salut, papa. Bon voyage. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait donné ça. C'est l'heure de s'amuser. Je l'ouvre? Bien sûr que je l'ouvre. Petite clé, ça reste entre toi et moi. C'est parti! Il y a tellement d'argent! Qu'est-ce que je devrais faire en premier? Si je plie ça là et encore ici... Les avions en papier sont d'un ennui! Je préfère les avions en billets, pareil au décollage!
C'est trop drôle. Il fait trop chaud, je vais me rafraîchir. Ah, attends une seconde, ça ne me ferait pas de mal d'avoir de nouvelles robes. Incroyable, je ressemble à une millionnaire. 1 million, c'est d'ailleurs la valeur des billets que je porte. Je vais acheter ça et ça. Oh non, pas assez cher ça. Oh, elle est trop mignonne. Je vais lui mettre une couverture dessus pour qu'elle soit bien au chaud. Voilà ma chérie, fais de beaux rêves. Oh, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Il paraît qu'on ne choisit pas sa famille, sauf si on a un génie et une lampe magique. Si vos parents étaient millionnaires, quelle serait la première chose que vous achèteriez? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes comme celle-ci.